Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui. Pas dans ma petite pièce bien belle, bien fraîche. On se retrouve dans un petit hôtel. Puis si, peut-être vous allez reconnaître. On a une petite vue sympatoche en plus. On va pas s'en plaindre. Est-ce que vous reconnaissez ici? Ah, les professionnels, les geeks, les bons, les vrais. Ils reconnaissent. C'est Europa Park. Et ils sont venus, ils m'ont dit, écoute-moi bien. On a une nouvelle attraction. Une attraction pour les geeks. Et ils m'ont dit, tu veux tester? Et en prime, petite soirée VIP dans le petit parc aquatique qui est à côté. Et on rajoute une petite prime, comme ça, gratuite. C'est le lendemain, aller dans le parc, gratuitement, comme ça. Je fais, bon, j'ai un planning assez chargé, mais faut entre deux games de Valo, mais vas-y, j'arrive. Donc voilà, je suis venu avec la chose là-bas, là dans le coin. On va faire des attractions, on aura le droit de filmer le Grand 8, et apparemment on a peur de base. Petit privilège pour nous, on va vous amener dans les petites attractions. En GoPro, vous allez faire wouh! Je vous ai mis un peu dans l'ambiance, on se retrouve tout de suite. Enfin, pas tout de suite, parce que c'est demain les attractions, mais on se retrouve pour la soirée quand même, là, hein? Bon, on se retrouve après la petite attraction. J'ai vraiment bien kiffé, c'était incroyable, c'était l'attraction, on était invité. Et là, on va se retrouver, on va aller au petit resto invité, avec petit spectacle à la clé. Et je vous montrerai des petites images, et on se retrouve après demain pour le Grand 8 de l'Europa Park, le plus grand d'Europe? Du monde? D'Europe? Du monde? D'Europe. À demain. Ouais, comme vous avez pu le voir, bon, j'ai perdu du muscle. Vous savez, l'hiver on mange bien. L'hiver, ça fait 5-6 mois qui dure, quoi. Mais là, on va reprendre, Faut pas, en fait, faut pas lâcher la salle. Le problème de la salle, c'est que si tu lâches un petit moment, regardez, je suis soufflé parce que par les montées, c'est pas fait pour moi. Je sais pas comment il va faire Inox. Ah, j'en peux plus là. On va pas rentrer là-dedans. Et salut à tous, on se retrouve pour la petite journée d'attraction. Alors là vous voyez, il y a Arthur les Minimals, on va aller le faire. J'ai regardé Instagram, on m'a dit Blue Fire je crois, Silver Star, Arthur on m'a dit de le faire, donc là on va y aller. Et on va essayer de faire le plus d'attractions possible. On va bien s'amuser, je vous en montrerai pas mal. Bon, j'ai un petit problème, je sais pas si elle va pouvoir faire toutes les attractions, parce qu'elle mesure 1m55. Il y a peut-être moyen que ils me disent, bon excusez-moi monsieur, mais votre petite fille là, de 7 ans, elle peut pas rentrer. Mais en tout cas, le thème est pas mal. Moi perso, je suis trop fan de Disney pour dire que c'est mieux que Disney. J'aime bien. Mais bon, l'univers Disney, vous connaissez, un vrai fan. Hein. Mais apparemment, les attractions ici sont mieux que celles de Disney. Donc, on va voir. Hein. Bon, moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé Arthur et Minnie Mouse. Petit univers, là. Surtout dans la ville. La ville, elle a été vraiment bien faite. Ça, en plus, c'est un des meilleurs moments, ça. Et là, j'espère bobsleigh, c'est incroyable. Attends, c'est combien de mètres? Non. Minimum 1m30. J'ai la tête qui dépasse, c'est bon. Tu fais quoi là? J'ai pris du kilo. En l'espace d'une seconde, tu peux ressembler à un phallus. Oh putain, pardon. Allez, fais voir. Une bite? C'est vraiment la tête. Bonjour, je me présente, je m'appelle Manon, 25 ans, célibataire. Donne ma caméra.
Écoute le nombre de bourrelets. Attends, parce que on là, il y a des doutes. On dirait le mec dans Star Wars, là, l'alarme. Tu t'extrais. Arrête, j'ai peur. Mais pourquoi t'as peur? Il n'y a plus de rail. C'est bon, t'inquiète, ça va doucement. Mais ça tourne. Bah oui, ça le but. Non, là, par contre, là, ça va pas. Mon cœur. Mon cœur, il se lève. Mon cœur, il se lève. T'es en train de crever là. Oh, c'est déjà fini. Ah, impossible. Ça fait baiser là. Il y a des larmes. Oh, c'est déjà fini. J'ai même pas eu le temps de faire à vous. L'attraction lui a chamboulé la tête, je crois. Regardez, elle devient un peu bête. Ne faites pas le bobsleigh. Ne faites pas le bobsleigh, ça vous enlève des neurones. Donc là, on va rejoindre notre très cher guide Sébastien et on va faire, je crois, Cancan, si je me trompe pas. Regardez, notre très cher Sébastien, notre fameux guide. Merci à lui pour l'invitation d'ailleurs. Regardez, c'est la France, on a fait le Moulin Rouge. On va faire l'attraction Cancan. Je connais pas, j'ai pas la ref. En allant à Cancan, je vois quoi? Monsieur le Silver Star qui est juste à côté. Il y a, c'est celui-là. Le c'est le Silver, ça, c'est Silver Star, 73 mètres de haut, 130 mètres... non, 130 km/h, pardon. il en voit bien. Extermine. On s'est mis tout derrière pour la sensace. On est dans quoi? Le Silver Star. Ok, et c'est quoi? Je vais me chier dessus. C'est le plus grand... 8. Le plus grand 8. Non, c'est le grand 8, le plus grand. Il a une chute de 73 mètres. Ouais. On va à 130 km/h. Et c'est le plus grand de le. Europe. Ouais. Voilà, Europe, pap. Parc. Non, les yeux de ma mère, je te dis. Ça va une petite Regardez. Allez, on se vient au fond. Non, vas-y, Comment ça plus jamais? Mais là on enchaîne. On fait la même. Oh non. Mais j'ai cru. Oh, c'était fou. Je me suis chié dessus, du coup j'ai pas levé la main. Après je vous ai mis du petit son, ça va, je vous ai fait plaisir. Eh quand même hein, elle dure longtemps l'attraction. Qu'est-ce que t'as? En fait, je voulais me rassurer en touchant le sol, mais je touche pas le sol. Bon, allez, on se retrouve dans une autre attraction. À tout à l'heure. Je suis agacé. Oh, regardez Mario. Qui l'a vu?
Donnez-moi une note sur 10 de Mario. Moi, je donnerais un 6,5-7. Voilà. Je trouve qu'il est bien, mais c'est vraiment les refs qui font le film. Bon, les animations, je savais que ça allait être joli parce que c'est Illumination. Donc eux, ils font toujours du bon taf. L'histoire, ouais, j'avoue, j'ai pas trop accroché. Bon, on va sur un truc plus chill, je sais pas. Parce que maintenant, là, elle est... Pourquoi tu m'as mal regardé? Très bien. Voilà, tout de suite. Oh, regardez. Il y a mon père. Coucou, papa. J'aime bien les univers des pays. Moi qui ai l'habitude d'être à Disney. Parce que ouais, moi je suis un Disney addict, hein, vous savez. Et je suis allé plusieurs fois et tout. Et d'ailleurs, en plus, il y a eu le nouveau parc Adventure. J'ai toujours pas fait la nouvelle attraction qui remplace le roller coaster. Donc pas déçu. J'aime bien. Ça change. Et pourtant, il y a plein de trucs pour enfants. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de petites animations. Et qui font les couzes. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de petits trucs pour enfants. Parce qu'autant Disney, tu te dis, oui, bon, c'est pour les enfants, donc logique. Europa Park, je m'y attendais pas. C'est cool en fait. Malheureusement, j'ai pas pu me filmer à l'attraction qu'on vient de faire. C'est Voletarium pour des raisons d'expérience, une de mes préférées. C'est en gros, t'es sur des petits sièges, tu voles. En fait, t'es dans un avion. Et. Tu visites toute l'Europe, t'as des effets, t'as des transitions des pays qui est trop beau. T'as des petits sprays dans le visage quand il y a des nuages et tout, quand tu les traverses, t'as des odeurs. Non, vraiment une de mes préférées. Et voilà, en tout cas, si vous allez à Europa Park, celle-là, je vous la conseille. Vraiment, elle est incroyable. Après, vous connaissez, hein, Silver Star et tout, pas besoin de vous les redire. Mais celle-là, on me l'a conseillée, mais pas beaucoup. Du coup, moi, je vous la conseille. J'ai vraiment un gros kiff, voilà. Coucou! Ça va, c'est aquatique, du coup ça va mieux. Du coup on est à Poséidon. Waouh! Il y a beaucoup d'eau. Oh, c'est trop beau! C'est un peu con, je vais mal tourner la main encore. Oh putain, ça m'a fait. Et pourquoi ça s'appelle Poséidon? Parce que c'est le dieu de la mer dans la mythologie grecque. Ah, bien joué l'histoire. Ça descend pas trop là. Oh oh, je crois qu'il y a un rail qui s'est décroché. C'est toi! Oh regarde, il y a de la rouille. Peut-être qu'il va ça. Ta gueule! Peut-être qu'il va se détacher à faire quoi. C'est super! Comment ça bouge de ouf, ça va? Non, je suis choquée, moi je suis embêtée. Oh ça va, il y a des gens qui mettent des kawaii pour ça. Mais pleure pas, Sam. Non, en mangeant. Wow, qu'on ça mouille. Ils sont super intelligents de prendre des kawaii. Et moi qui me foutais de leur gueule avec leur kawaii. Quelle idée de fou. T'es bien la tête. Je suis fou de mouiller. Je crois qu'il y a un boulon qui s'est dévissé là tout à l'heure. Non, c'est que le bois, si ça travaille le bois avec les temps. Ouais, moi je pense en vrai, il vérifie pas ici. Hein. De temps en temps, il y a un mec qui fait. C'est solide, les gars, on y va. C'est trop chaud. Est-ce que vous êtes prêts? Elles vont toutes super haut. C'est le but de montagne, ouais. Ça va, c'est rien.
tellement crié qu'il est pas, il est pas. Mais t'as pas le temps de réagir, de savoir ce qui se passe. C'est trop bien. Bon, on se retrouve. On a fini de manger, on a perdu notre très cher guide Sébastien parce qu'on a fait toutes les attractions fortes. On nous a régalé. Hein. Il est 14h pour vous dire, on a déjà trouvé en attraction forte. Il nous en reste peut-être une ou deux chill quoi. Là on met Piratin Batavia. T'as mangé quoi? Un truc hawaïen. Dedans il y avait du saumon, une sauce à la mangue, du riz avec du lait de coco. En entrée, une salade avec de la mangue et une sauce à la mangue aussi. T'as pas eu peur du requin quand même? Non. Tu peux dire la vérité maintenant? Non. Elle a eu peur du requin. Regardez, j'ai ramené ma petite sœur. Elle est partie s'amuser. Et c'est un parc pour enfants. Et elle se faufile dans la masse. Oh, ça me termine, putain. Et t'as pas mangé encore? Tu peux rien cracher? On va faire un petit dernier, petite dernière attraction. Après nous on va devoir y aller. Va falloir retourner à Paris. Du coup on doit aller à notre hôtel avec notre chauffeur qui nous ramène à la gare pour le petit train. Et on va rentrer à la maison. Du coup on va à la dernière attraction. Et on se retrouve tout de suite. Hein? Allez, on se dépêche. Voici la dernière attraction. Elle est ici. C'est le grand bain. Nous on a fait le Poséidon à côté. Et là je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Je crois que c'est Atlantica. C'est, je crois, beaucoup plus hard niveau eau. Bon, de toute façon on va vivre ça ensemble. Donc on va voir à quel point on est mouillé. Regardez, elle a mis une petite capuche. Parce qu'il va plus loin. Ça lève le cœur quand même, hein, la descente. Hein. Ça va, c'est chill. Attends, tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. On a fait combien de temps d'attente? 15 minutes, je pense. Aucune, non. On était sur une petite. 20 minutes, 20. C'est plus ça. Pour 5 secondes de bonheur. La descente, elle est bien. Bon, du coup, on se retrouve dehors. Cheveux bien mouillés. Ça se passe pas. Ça a déjà séché. En même temps, quand t'as trop poil sur le caillou, ça sèche vite. Hein. On va au bouée. Ah, je vous avais dit la dernière, mais vous connaissez la fameuse dernière. On fait toujours une autre dernière. Là, on fait la vraie dernière. C'est les bouées. Et après, c'est la fin de cette aventure. C'est vrai. Ou peut-être que, à tout moment, il y a une autre attraction. Mais je pense pas, parce que là, j'ai mes petits mollets là. Attends, les gens, ils peuvent tirer dessus avec les pistolets en haut. Jure. C'est une dinguerie. Ils sont en train de tirer sur les mecs. Il était tranquille en train de... En fait tu moulines et ça tire sur les gens. Il était en train d'appeler normal. Il s'est fait charcuter, il a pris la sauce. Ça va vite en vrai. J'espère juste qu'il n'y a pas un... Ça va un petit peu. Le pire c'est qu'il y a des gens qui
pas arroser normalement. Pourquoi t'as crié? T'as eu 3 gouttes. T'as eu 3 gouttes, t'as crié comme si tu prenais une vague. Oh les bâtards! Oh les bâtards! Ah non, non! Bon, dis donc, monsieur, on se retient! Ça va être pour moi! Hop là! Ah, t'as rigolé! C'est trop beau! Oh là là. Oh la dinguerie. Prends mon sac avec moi. Prends mon sac et mes enfants. T'as un chien, t'as vu la dinguerie. Putain, je suis trop mouillé. Attends. Là, il y a des gens qui payent pour envoyer de l'eau normalement. Mais tu spoil. Tiens, prends de l'eau. Non, 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 non. Oh là, mais ça fait un jeu. Oh non, c'est bon. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est bon, oh non, oh non, oh non, oh non. Non, appuie pas la pluie. Non, il va pas appuyer, il va pas appuyer. C'est merci. Impossible, on est trop loin. Shifumi. En deux. Shifumi. 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 T'y vas. T'es baisé. Oh putain. Mais ça va, c'est rien. Il a perdu. Alors écoutez-moi bien. Il est là depuis tout à l'heure à se plaindre qu'il a mal aux pieds. Il en peut plus. Yeah. Non, il n'a pas compris. Il croit que le but c'est de se mouiller. Mais c'est la meilleure activité de la du parc. Non, mais je t'explique. Depuis tout à l'heure, tu marches, là frère, t'as couru. T'es mal athlète. T'as vu, c'est enjambé. Eh ouais. Faut oublier, hein. Bientôt on est gardien de but pour la France. Moi, du coup, résultat des choses, je suis trempé. J'ai rien pris. Les gens avec nous, par contre. Ils ont pris la sauce. C'est la fin de notre petite aventure. Europa Park, encore merci Sébastien de nous avoir invités. C'était grave cool, nous a mis vraiment vraiment bien. J'espère que ça vous aura plu. C'est une toute nouvelle expérience, voilà. On s'est fait inviter au parc, je me suis dit pourquoi pas vous vlog. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, parce qu'il y a peut-être des chances que j'en fasse d'autres. Si on a la possibilité, je vais essayer en tout cas. Et peut-être même pouvoir vous inviter, c'était cool. Donc dites en commentaire ce qui pourrait être amélioré et ce qui était nul à chier. Vous pouvez dire quand c'est nul à chier. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain stream pour ceux qui suivent sur Twitch. Passez une bonne journée, soirée, dormez bien, revisez bien et plein d'amour pour vous. Au revoir. Hop hop hop, attendez, j'étais en train de partir, j'ai oublié. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont croisé dans le parc, qui ont été super agréables. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était un petit bisou à vous faire et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Des bisous tout le monde. Bye bye.